Alors, commençons par l'enseignement secondaire supérieur général. Deuxième cycle d'enseignement secondaire général est un enseignement qui donne une base solide de compétences, de connaissances pour poursuivre les hautes études dans les universités de sciences appliquées durant maximum 3 ans. 75 cours ou crédits, examen d'immatriculation qui est le baccalauréat pour terminer le cycle. Enseignement secondaire supérieur général. Le deuxième cycle de l'enseignement secondaire supérieur général qui donne une base solide de compétences et de connaissances nécessaires pour poursuivre les hautes études dans les universités ou les universités de sciences appliquées. Durée maximum 3 ans, 75 cours. En général, les élèves du secondaire supérieur étudient la langue maternelle, la deuxième langue nationale, la littérature, les langues étrangères, les mathématiques, les sciences naturelles, les sciences humaines, les sciences sociales, arts et l'éducation physique. En plus de l'école secondaire supérieure générale ordinaire, l'enseignement secondaire supérieur général peut être complété dans les écoles secondaires supérieures générales spécialisées par le biais des programmes musicaux sportifs. Dans l'enseignement secondaire supérieur général des lycées populaires, dans le cadre des études en ligne et par le biais de l'enseignement secondaire supérieur général à distance menant au diplôme baccalauréat international délivré par le programme IB des écoles secondaires supérieures pour les personnes de plus de 18 ans. Diplôme secondaire supérieur professionnel permet d'obtenir double ou triple. En plus de l'enseignement secondaire supérieur général, ceux qui ont terminé leurs études de base peuvent faire une demande et étudier pour obtenir un diplôme dans l'enseignement secondaire supérieur professionnel dans un établissement professionnel pour une durée de 3 ans. Alors, cette qualification professionnelle secondaire supérieure donne les compétences solides et professionnelles dans les différents domaines tels que la technologie automobile ou technique générale, horticulture, sociale, santé, pour une durée de 3 à 4 ans. Enseignement préparatoire et autres options. En plus de l'enseignement secondaire supérieur général et l'enseignement et la formation professionnelle, pour ceux qui ont terminé leur éducation de base, peuvent également s'inscrire en 10e année pour la formation préparatoire appropriée pour les longues études dans les lycées populaires pendant une année de cours à laquelle les jeunes étudiants peuvent améliorer leurs notes et leurs capacités pour poursuivre leurs études dans l'enseignement de base, recevant une aide pour choisir les études plus avancées. Valma, enseignement préparatoire et formation professionnelle pour une durée d'un an, donne la capacité à l'étudiant de choisir une profession qui lui convient afin de terminer son diplôme. Louva, enseignement d'un an qui prépare les immigrés à renforcer leurs connaissances et compétences dans l'enseignement secondaire supérieur général, donnant la capacité d'étudier en finnois. Telma, formation préparatoire au travail et à la vie autonome qui est destinée aux jeunes ayant besoin d'un soutien spécial en raison d'une maladie ou un handicap. Cette éducation à Telma dure 1 à 3 ans. Les jeunes qui ont besoin d'un soutien spécial peuvent également terminer leur formation préparatoire à la formation professionnelle à Valma, c'est-à-dire au cours préparatoire à la formation professionnelle de base ou à la formation aboutissant à un diplôme secondaire supérieur professionnel via une éducation spécialisée. Un jeune qui termine son éducation de base a de nombreuses opportunités lors de son choix éducationnel et vocation. Ainsi, il est important d'identifier ses points forts et intérêts ainsi que les possibilités d'études qui sont disponibles et les professions existantes. Enfin, le soutien des parents et des conseillers pédagogiques est indispensable pour aider à faire le bon choix pour son avenir. Je vous remercie.